point important. Quand on fait du coffrage, il faut aussi penser au décoffrage. Ok ? Je m'explique. Là, j'ai un coffrage pour réaliser une jardinière. C'est-à-dire, tout autour de ce coffrage, je vais venir couler une ceinture en béton. Donc, la facilité, là, ça serait... Eh bien, c'est simple. Pour maintenir mon coffrage, je viens visser ici. Comme ça, nickel. Ok ? On est bien. Et le coffrage ne bouge pas. Ensuite, je plante des piquets à l'intérieur pour le caler. Mais le souci, là, je vais avoir du béton. On est d'accord ? Du coup, cette vis, elle va être bloquée. Comment je fais ensuite pour décoffrer ? Ben, je suis obligé de tout casser. Et ça, c'est pas bon. Donc, ok, coffrage, on pense au décoffrage. Donc, la solution tip-top, enfin, une des solutions, c'est par exemple celle-ci. Avec des litos, vous voyez ? Je viens assembler mon coffrage. Comme ça, mes vis sont accessibles. Là, je viens visser aussi. Et j'ai mon coffrage. Je coule mon béton, et quand je vais vouloir décoffrer, c'est très simple, je viens dévisser, et j'enlève ma planche. Vous voyez, ni plus ni moins.
On avait un magnifique soleil. Il y a encore 20 minutes et regardez comment ça s'est couvert. C'est juste avoir le temps de ferrailler, je pense, avant qu'il tombe des cordes.